Sur les écrans ou pas. Bon, ben, vous voyez que ça cuit, hein, ça cuit un petit peu, d'accord. Mais là, c'est pas grave, hein, on va tout mélanger. On aura un petit peu de cru, un petit peu de cuit, les petits oignons. Et on mélange. Ça va être sympa, ça. Hein non. Alors bon. Ouais. De la chance, si ça, ça peut être mangé avec des coques ou avec des moules aussi, ça marche bien. Hein, on fait, quand on fait des moules à la maison, on fait des moules à la marinière, ben, s'il en reste, crac, on fait une petite sauce comme ça, ça change, on met ça à l'apéro. Hein hein on met ça à l'apéro et puis voilà quoi. Alors, on goûte. Tu me dis ce que t'en penses, si ça te va ou si ça te va pas. C'est bon? Allez, c'est validé. Ouais. Oui, c'est piquant, hein, c'est fait exprès. Hein. Bah, ça pep, c'est fait exprès. Ouais. Pour condimenter, ça va relever. Voilà. Alors, mais t'as, du coup, t'as pas mis de piment dans... J'ai pas mis de piment, non. Il me semblait que t'avais mis du piment fumé dedans. Non. Non, pas dans ça. D'accord. Non, non, j'ai pas mis de piment. Ah, vous changez de couleur, là. Ah, si. Vous devenez Tagada. Hein? Ça aurait été pour servir à 21h, 21h30, j'aurais mis du piment. Là, ah, voilà, bon, c'est un peu tôt dans la journée, tu vois. Donc, donc voilà. On va se faire un petit guacamole. On a des prises devant ou pas? Oui, on est. Oui, ah, marche dessous, là. Ouais, elle fonctionne. Elle fonctionne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez. On s'en est servi tout à l'heure. Ok. Vas-y, mets ton doigt. Non, ça aussi. D'accord. J'ai essayé déjà. Hop. Alors, on va se mettre de l'huile d'olive. En fait, on est, c'est un truc Amérique du Sud que tu nous as fait du coup là. Ben ouais, 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 ouais. Chimichurri, guacamole, ça y est. Non, mais j'en ai marre de faire la fête de l'asperge, le printemps. Tu vois. La fête de l'asperge, il pleut tout le temps, machin. Ouais. J'ai dit, bah, allez, cette année, on fait un truc un peu. Tu avec vois, du soleil. Avec un petit peu de soleil, donc du coup, ben, tu vois, ça a marché. Un petit peu de fleur de sel, et je te laisse mixer. Alors, voilà. T'enfonces bien. là, je vais m'écarter. Parce ouais. Que, là, ça, là. Vas-y, vas-y. Voilà. Hop, t'arrêtes, tu relèves, hop, tu remets comme ça, voilà, super. Ouais, mais pas ton... ouais, et les filles, les filles, elles nous regardent là, t'as vu? Ah, et le droit à l'image, là, on l'a pas fait pour la dame. Non. Hein? Hein, le papier, là? Hein? Bravo, hein? Ah ouais. Fais attention à bien mettre ton mixeur au fond. Parce que là, on n'est pas assuré pour toi, hein. Non, on n'est pas sûr. On n'a pas pris l'assurance. C'est lequel qui marche le mieux, Jean-Luc? Celui-là ou celui-là? Ah bah là c'est. Il y a quoi beaucoup plus de volume, ça dépend. Ah oui, pour mixer ça, bah, ça bon, pour mixer c'est comme un thermomix, ça envoie le truc. Je sais pas si t'as pas coupé mon micro aussi, non? Un peu. Non? Vous m'entendez quand je parle là? C'est pas mal là, non? Ah. Là vous m'entendez mieux. Bah, tiens, tu prends une petite cuillère, ah, ouais, pareil, tu goûtes. Donc alors je sais, non il n'y a pas de caméra, je regarde au-dessus de moi. Donc là je vais tout simplement mixer ma crème et mon... On démange toujours. Mes asperges. J'essaye de voir comment ça fonctionne. Comme ça c'est facile pour... Tu as des cuillères ici si tu veux, ou des petites marises, comme tu veux. Ça marche pas, comment ça marche? Si, je vais te montrer. Il faut l'allumer d'abord chef. Il y a un interrupteur ici. Ah putain, il est collé le bordel. Oui, il y a des ventouses dessous, voilà. Ensuite, il faut mettre la sécurité. En face? Non, il faut que tu l'enquilles. Voilà, tu pivotes à l'intérieur. Ah ouais, attends. Un joint, voilà. Ah, voilà. T'es sûr? Oui. C'est dans l'autre sens. Oui, aussi. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, c'est beau. Dès qu'il t'a fait la démonstration, hein, tu vas sélectionner le... Ça diffuse des films et tout? Ouais. Ah ouais. Il y a Netflix dessus. Non. Ouais, putain, c'est génial. Donc okay. Là, on a un petit guacamole qui m'a l'air très onctueux. Parfait. Donc le petit guacamole, alors j'ai fait un peu de ménage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dessus là. Ah, Catherine, quand elle travaille, elle en est partout. Hop, hop. Insupportable. Heureusement qu'il y a les hommes à la maison pour tout ranger. Hein. Ah là voilà. Là. Parce qu'alors... Tac, alors on a ça, il nous reste ça à faire. On a le petit guacamole, et il nous reste, on a ça, c'est bon. Et ça, on va mettre un petit coup de propre. Tac, je vais mettre ça là-bas. Oui, on est organisé, hein, hein. Des vraies petites fées du logis, nous. Hein là. Alors, il faut mixer, c'est on ça le fera après, on le fera après, les filles. Oui. Mais oui.
Oui, si on peut le mixer, c'est parfait. J'ai mis à 6, si tu veux changer de vitesse, il faut que tu appuies sur stop et remettre. Hein. Alors. Ah, tu veux mettre des œufs ? Non. Ouais. Donc là, avec le petit velouté en fin de compte, c'est pour faire le siphon. Ah, mais les œufs sont là. Siphon, c'est pour faire. Je suis parti dans l'esprit de faire une petite mousse sabayon. Hein, sabayon, c'est beurre clarifié, jaune d'œuf. On met autant de cuillères d'eau que de jaune d'œuf. On va venir tout simplement fouetter, mais vraiment très gentil, hein, parce que l'œuf, au-dessus de 70 degrés, il va avoir tendance à trancher, donc on fait attention. Donc là, je l'ai fait plutôt au siphon. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des siphons à la maison. Soit on fait la classique, voilà. Donc là, l'idée, c'est de récupérer tout simplement le velouté. Je vais lui incorporer des œufs à l'intérieur et du beurre. Et je mets tout ça au siphon avec une cartouche de gaz. On va s'envoler là. Ça va là ? On est parti là. Ouais. Je voulais qu'on casse des œufs. On n'a pas d'autres petits bols, mais on va faire dans ce qu'on peut. On va trouver quelque chose. Pour clarifier ? Ouais, l'assiette noire. On va peut-être s'en servir pour dresser. Parce que j'ai donc, juste besoin d'un jaune d'œuf. On va se débrouiller. J'ai pas de quoi filtrer par contre. De toute façon, c'est juste. Oui. Bon. Ok. C'est ça qu'il faut retrouver. Alors, tout ça, j'en ai plus de besoin. On le cache ici, comme ça, ça se voit plus. Donc là, alors, une petite astuce pour casser les œufs. Tac. Je sais pas si on nous voit. Ouais. Un œuf. On va plutôt le casser à plat. Hein, on évite de le casser ici, surtout si c'est des œufs de ferme. On sait tous d'où sortent les œufs. Les œufs. Mais je me suis toujours posé la question. Ah, ben, bien sûr, ben, moi aussi. Mais ça sort d'où ? Et ben, ça sort d'où les œufs ? Vous voulez pas le dire ? Bon, les œufs, tout le monde sait que ça sort du cul de la poule. Voilà. Ok. Donc forcément, on va se retrouver avec des petites bébêtes dessus. Donc si on casse ici, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, l'excédent, il va tomber forcément dans votre récipient. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc l'idée, on vient le casser ici, voilà, à plat. Je le clarifie, en même temps je vérifie si il est bon. Donc là je vais mettre un jaune d'œuf à l'intérieur et je vais lui mettre 3 œufs. Pardon ? T'as du public là. Ouais, y a du public. Donc, alors, on continue, paf. Je casse mes œufs à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel, mais vraiment gentil. Et c'est à ce moment-là où, bon, piment fumé intervient. Ah, voilà, il me semblait bien qu'il y avait du piment fumé dans cette recette. Okay. Il y en avait quelque part. Donc, du coup, il y a des œufs entiers, alors, du coup, aussi. Ouais. D'accord. Ok, un petit peu de piment fumé. Mais il est piment ou Ouais, ouais. Non, il est pas fort. Il est doux, quoi. C'est un piment doux, mais plutôt qui est fumé, quoi. Hein. Oui. Donc voilà, ça, j'en ai pas de besoin. Et on va remettre ça à mixer avec un joli morceau de beurre. Hein. Une noisette, quoi. Une noisette de beurre. Ouais. Hein ? Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est plus de la noisette, on est dans le. C'est plus un écureuil, là. Ouais, appuie bien le couvercle, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, serre-le bien, ferme bien le bouchon. Après, tu sélectionnes, en fait, si tu veux le variateur. Moi, j'ai ma grâce. Je vois ça. Alors, on va mettre à 5, 6. Et puis après, on fait valider. Oui, c'est chaud, on le sait. Ouais. Ça va la vitesse ? Parfait. Donc là, on laisse se mixer gentiment. Pour que le beurre fonde, s'incorpore, faut que ça cuise un peu les œufs ou pas, hein ? Oui. Ouais, avec la température. Avec la température du bol. On peut lui mettre un petit peu ou pas ? On peut mettre quoi ? Un peu de température ou pas ? À 50 degrés là. Alors il faut que tu fasses. 50 ? Non, c'est bon. 50, c'est bon. Ah bah alors. C'est bon, parfait, ouais. Parfait. Pratique ça. Donc c'est vrai que c'est pratique les appareils comme ça parce que vous avez les contrôles de température. Et pour faire ce genre de sauce émulsionnée où on est obligé de cuire les jaunes d'œufs. Et les œufs, donc il faut qu'on monte légèrement en température, mais pas trop pour pas que ça fasse une omelette. Donc l'idéal de la température serait autour des 85 degrés, surtout quand vous mettez du jaune.
85 degrés, c'est comme la cuisson d'une... Enfin, 83 à 85, la cuisson des, de la crème anglaise. On va se laisser une minute de plus, là, ça c'est bon. Bon, ben nous, en termes de, d'éléments de recette, on est pas mal, hein. On a tout ce qu'il faut. Mais bien sûr, on a tout ce qu'il faut. T'as choisi, tu veux une assiette? T'as ouais, regardé ce ouais. que tu voulais ici? Je sais pas, je vois. Ouais. Je passe juste un petit coup d'éponge, je suis désolé. Ouais. Non, mais fais le ménage, hein, je t'en prie. J'aime bien quand c'est propre. Ouais. Sa femme me dit souvent qu'il le fait pas à la maison, mais il le fait ici. Mais tu peux lui dire, je crois qu'elle est là. Hein? Je crois qu'elle est là, il me semble que je l'ai. On voit pas tout avec là-bas, avec les lumières. Hein. On voit pas tout, mais. Je l'ai reconnu à l'odeur. Ah oui, l'odeur, d'ici. Moi, j'ai reconnu à ses lunettes. Mais Et il fait bien le ménage, hein, quand même, ici. Hein. Ah. Ok. Fin cette action. Oui, impeccable. Ouais. Non, il faut que tu. Tu faut déverrouiller. Ouais, voilà. Bon, je t'ai sorti. Toute la vaisselle de la famille hein, qu'on avait ici. Ah, c'est beau. Donc, bon, alors ça, chaque fois que j'osse le ton, ça. Donc, ça donne cet aspect-là. Si je monte un petit peu, on va voir si ça se voit. Je sais pas, si vous voyez un petit peu, voilà. Donc, ça, on le met en siphon. On remplit le siphon. D'accord ? On remplit le siphon. Là, je l'ai déjà fait auparavant. Ok ? Donc, on s'imagine qu'on le met dans le siphon. On fait comme si on l'avait fait. Non, pas... Alors, il faut une petite passette, ouais. Oui. Une passette très très fine pour. Ben, on le voit là. Je sais pas si on voit un petit peu, mais. Catherine a raison, mais il faut toujours filtrer au travers d'un petit chinois ou d'une passette ce que vous mettez dans un siphon, parce que comme l'embout est vraiment très très fin, si vous avez des morceaux qui se coincent dedans, vous n'allez plus pouvoir vous servir du siphon et malheureusement après pour le vider, ça devient vite un cauchemar. Alors ça travaille sous pression, donc faut faire attention à bien fermer, qu'il y ait bien le joint à l'intérieur et de bien serrer le capuchon quand on le met en place. Et quand vous mettez le gaz, il faut être sûr que la tête ici soit bien relevée vers le haut. Sinon, si vous percutez la cartouche de gaz, ça part en sucette. Voilà. C'est du vécu tout ça. Hein. On refait le crépi, on refait tout. Pareil hein, quand on utilise les blenders, quand on utilise tous ces genres de... On essaye toujours de vérifier s'il y a ça. Et au pire, à la limite... On prend un torchon et on le met dessus. Et on tient le couvercle, parce qu'on l'a vu ici en direct il y a quelques années, avec Johan Alias, hein, pour ne pas le citer. On avait mixé. Et comme c'était chaud, tu vois, et il y avait beaucoup de quantité quand il l'a mis en route à fond. Ah oui, avec la pression, ça pète. Il est tombé comme ça, c'est un feu d'artifice. Ouais. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu juste la texture, pour vous montrer. Voilà, on est sur quelque chose de très très mousseux, très aérien. Ok, donc ça, on est vraiment dans la légèreté. Je crois qu'il me restait quelques petites assiettes à finir. Je vais laisser te les faire dresser et on va faire une grosse assiette. Non bah fais ton assiette et puis après on. Ouais, non mais regarde. Ça, après on fera le reste. Viens avec moi. Ouais. Il me semblait qu'il en restait quelques-unes à dresser ici. Ah. Tu les mets comme ça. Ça marche. Et puis s'il faut, tu complètes. Par contre, il y aura des gourmands. Alors, les assiettes, qu'est-ce qu'on a en assiettes? Il avait demandé du rosé normalement. Il avait demandé du rosé. Donc comme là, on va passer au dressage et à la dégustation. Non, on n'a personne. Bon, Catherine, merci d'être venue hein, quand même. Hein. Et Karine, pardon. Je s'appelle Catherine depuis tout à l'heure. T'es là demain? Ah, parce qu'il y a du boulot aussi demain. Ouais. Donc là, je dépose un petit peu mon avocat. On va venir chercher un petit peu de fraises. On va déposer un petit peu de fraises aussi. Par-ci, par-là. Alors, j'évite de mettre le jus. Ouais, pour pas que ça coule trop dans l'assiette par la suite, c'est ça? Ouais, ouais.
Ok, on va pouvoir mettre. Ah, c'est pour ça. Ouais. Ah. Cuillère propre, parce qu'autrement. Alors, bon, ça, normalement, je l'ai fait juste vapeur. Hein. Là, donc, pas à la crème. Ouais, pas à la crème. Mais là, okay. Bon, fallait accélérer. On aurait pu prendre les tailler un peu plus longues et récupérer peut-être ça après. Non, c'était juste pour montrer qu'en fin de compte, sur l'asperge, on pouvait tout utiliser. On peut utiliser les pointes qui sont très, très fines, très douces et très fondantes. Et après, on peut utiliser le reste de l'asperge, soit en velouté ou soit voilà, sur des petits éléments comme ça. Là. Pour jouer sur les textures de l'asperge. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre? On va mettre quelques petites pousses, des petits trucs. Ouais, t'as de l'oseille à veine rouge ou après tu as le chiseau. Ça, et j'avais aussi un petit peu de... Ah, et les fleurs du jardin. Les fleurs du jardin, un petit peu de bourrache. La fleur de bourrache. Alors c'est bien la bourrache, hein, on veut tous en planter à la maison, mais ça se prolifère un petit peu partout. Donc du coup, j'en ai un petit peu partout. À la maison. C'est un peu comme la passiflore, t'en plantes un pied, 5 ans après, t'en as une forêt. C'est ça. Donc on utilise vraiment. Alors, la bourrache, cette fleur de bourrache, elle a un petit goût légèrement iodé. Hein. Oui. C'est un petit un fin goût d'huître un peu. Alors j'ai des petites pousses de. Ah, c'est ciboulette, tu m'as dit. Ciboulette, hein. Ouais, fleur de ciboulette. Alors on y va gentil parce que ça reste quand même assez costaud. Hein. Oui, ça c'est assez violent hein, comme goût, la fleur de ciboulette. Hein. Et des petites pousses d'oseille là. C'est joli ce qu'il fait, hein. On dirait pas comme ça. On dirait pas hein, quand on voit la tête du client. Quand on le voit arriver, on se dit oh là là. Qu'est-ce qu'il va nous faire là Ah, mais c'est la dame, elle m'a motivé à l'apéro là, donc tu vois. Ouais. Je me dépêche là pour vite partir chez elle. Hop. Les petites fleurs, tac, ça là-bas, ça coude propre. Tac. Et est-ce qu'on a un petit. On n'a pas un petit. Qu'est-ce qui vous manque, chef? Je voudrais juste un petit récipient pour mettre la sauce à côté. Une petite verrine. Là-bas, t'en as en bois, en bambou. En bambou, ça va pas passer bon. À travers. Ou plastique, quoi. Je sais que t'aimes pas ça, mais. Ouais. Mais autrement, ça risque d'être risqué un petit peu. Donc là l'idée, je veux pas la mettre dessus parce qu'autrement ça va venir inonder, mais ça fait la liaison. Donc l'idée c'est ça quoi. Là l'idée on viendra tout simplement après. Juste au moment de manger. Juste au moment de manger, on viendra faire ça. Il faut qu'on le mette un petit peu partout là-bas aussi. Bon, c'est fini chef là. Mais on est pas mal ouais, je pense qu'on est pas mal, on est bien. Très bien. On est bien. Eh bien merci. Que même lui va le prendre en photo parce qu'il n'en revient pas de ce qu'il a fait. Ouais, en fait. Ouais. Comme il a expliqué tout à l'heure, il savait même pas ce qu'il allait faire. Il a lancé une idée, mais c'était un peu flou. C'est vrai, finalement, tu vois, comme quoi. Mais t'as vu, hein, le hasard fait bien les choses. Non, je le prends en photo. Et puis je me l'envoie aussi. Voilà. Impeccable. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va continuer à faire les petites pousses. Et c'est ça qu'on a oublié un petit peu. Parce qu'on déconne, on rigole, mais on croit qu'on s'amuse là. Et pour finir, un peu de piment. Piment fumé. Donc là, pour accompagner ça, tu as décidé de mettre un rosé, je crois. Ouais, ouais, je sais pas où ils sont. Il est là, il est prêt. Où ils sont. Il y a pas quelqu'un qui voulait faire un petit explicatif, là? Oui, j'arrive. Ah, c'est toi qui fais l'explicatif? Non, pas moi, j'arrive avec le micro, elle va expliquer. Ah, d'accord. On a organisé, nous. Mais exprime-toi. Ouais. Ouais, ouais. Bon. Là, c'est les chips. On n'entend plus rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
dans le, je l'ai remis dans le frigo. Ça, qu'est-ce que je voulais les... Ah, ça y est, ça revient. On va attendre de faire la petite dégustation sur le rosé et on va dresser vraiment au dernier moment à l'envoi parce que ça a tendance à se liquéfier un petit peu. Ouais. Tiens, tu vas m'aider. T'as déjà utilisé un siphon ou pas ? Un, deux. Oui ? C'est bon ? Tu maîtrises ? Ah, deux, voilà. On va vite le voir. Le premier rang. Ça, on a un micro sans chips. Attends, viens, on va essayer dans l'évier tous les deux. Il y a du danger là, je pense. Hein. Alors, pour accompagner ça, on a les 28 yaks. Et on est sur un rosé. Tu vas nous expliquer un petit peu. Si tu appuies franc, t'as vu ? Vas-y, essaye. Ce qu'il y a, comment c'est fait, avec quoi ? Une cuillère si tu veux. Essaye d'en mettre juste dans la cuillère. Tu l'as ? Ouais. Oui, je pense. Ouais, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît ? On n'entend pas madame. Merci. Pardon. C'est gentil. Pas grave. Ah, faut s'imposer. Hein. Ah, parce que toi, tu as la voix grave et puis madame, elle a la voix très claire. Donc, on... Donc nous sommes les vignerons Cutiac et le chef ayant décidé d'associer l'asperge et la fraise, nous on propose un rosé à base de fruits rouges, enfin qui a des saveurs de fruits rouges. Il est frais et festif et donc c'est un vin plaisir que l'on peut boire entre amis, à l'apéritif et... Pas toute la journée, mais avec modération. C'est ce que j'allais dire. Avec modération, parce que vous toujours l'inviter, les modérations. Oui, ils sont toujours invités. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il fait dans la soirée, modération, non, mais il faut qu'il soit là. Il est présent. Voilà, toujours. Voilà. Bah, merci, écoute, c'est gentil. Donc, vous allez pouvoir profiter donc, de la dégustation donc, de la Tagada. Tagada. C'est un soin. Voilà, Dalton. Accompagné du verre de rosé. Si jamais quelqu'un a des questions pour le chef. Ben, il ne les pose pas. Tout simplement. Bonne ou mauvaise, hein, les questions, c'est pas grave, il n'y a pas de questions. T'as une question, toi ? Si, je sens que tu l'as la question. Ah, monsieur, j'arrive. Le cépage. Ah, le cépage. Vas-y. Merlot. Voilà. Il y avait d'autres questions, peut-être ? Non ? Ah oui, là-bas. Pour le chef, oui. Après, là, quand c'est, on peut envoyer après. Quand j'ai mis la poudre comme ça, là, la poudre et l'escampette. Oui. Bonjour, chef. Pardon, je ne vois pas. Ah oui, ah bonjour. J'aimerais te poser comme question, en fait, comment je peux associer l'asperge à la truffe d'été ? Excellent. De l'œuf ? Là, il y a du dossier, je pense. Un petit œuf basse température, un œuf mollet, ou avec une petite crème d'asperge, un petit peu de lard, on râpe au dernier moment un peu de truffe, ça fonctionne. Hein. C'est bon ? Ça vous va ? Vous avez une tête à voir des poules, vous. Vous avez une tête à voir des poules, j'en suis sûr que ça va être facile. Ouais. Ah non, j'ai rien dit, chef. Moi, j'écoute. Ah. Tout à l'heure, je t'ai vu à l'écran, je te trouve beaucoup plus beau à l'écran que... Ah ben ouais, de près, tout de suite. Ouais, hein ? Non, vous trouvez pas ? Hein ? Ah oui, là, t'es magnifique, là. Ah oui, très, très beau. Là, on peut envoyer, hein, quand c'est comme ça, là. Si ouais, l'assiette est très, très belle. Hein. Ça rend très, très bien. Hein. C'est joli, hein. Ouais. Eh bien, on va circuler dans quelques minutes pour... si ça a déjà commencé, voilà, parfait. Alors, vu le nombre, je ne sais pas si on aura assez de portions. Donc, n'hésitez pas peut-être à aussi partager si vous êtes en couple ou à deux. Ou à vous battre. Parce qu'il y en a pour... Vous pouvez vous battre. Ou vous battre, ou carrément, battre. Pour ou récupérer le... On offrira aux gagnants une boîte d'asperges. Ouais, bien sûr. Oui. Bah, tu peux y aller. Après, non, quelqu'un va mettre un coup de... Non, tu peux y aller maintenant. Hein. Fais le tour. Tu n'as pas de souci. Ouais. Alors pendant que je suis en train de mettre un petit peu de piment fumé, je voulais remercier en fin de compte toutes les filles là, qui sont autour de nous, qui aident sur les dressages. Elles s'occupent aussi de faire la plonge, elles sont là depuis ce matin, elles sont de bonne humeur, elles ont le sourire. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Oui, merci pour elles. Alors bon, on va pouvoir applaudir Jean-Luc parce qu'il a fait un commentaire, c'est parce qu'il a envie de se faire applaudir aussi. Donc on applaudit Jean-Luc. Merci. Merci. Je suis à la bourre.
chez le marchand. Piment fumé, vous pouvez le trouver sur internet ou chez les grossistes alimentaires. Mais sur internet, vous tapez piment fumé, on arrive à le trouver facilement. Tiens, je te rends un cap, s'il y a pas. Alors là, je le dose un petit peu, un petit peu à l'arrache. Regardez si jamais il y a des commentaires. Ça risque de prendre un petit peu le dessus. Hein. Vous êtes contente de mettre les fleurs, hein? C'est chouette, hein? Ouais, c'est vrai que ça fait un travail un peu fastidieux à chaque fois, hein, mais. Ouais. Bah ça, c'est, tu sais, c'est depuis mon CAP fleuriste. Oui. Il y a des restes. Ah, il y a des restes. Ouais. Si t'en manques, il y en a sur le plateau derrière, on peut mettre des. Hein, on dit, ouais, très joli, on peut les prendre. Pour en mettre un petit peu dans les assiettes, ça ira très très bien. Attends, je peux peut-être faire quelques bouchées supplémentaires là. On est bon dans le timing. Hein. Ouais, ça va, très bien. Hein, ouais. Bon, on peut voir déjà si on a assez. Est-ce que pas mal envoyé. On fait déguster à. Oui. Karine. Maintenant que je sais comment tu t'appelles. Karine. Toi, tu auras le privilège, apparemment, le chef, il a dit que tu vas goûter cette assiette-là. Rien que pour toi. On va te mettre une petite fourchette, tu auras le droit. Tiens, Karine, bon, j'espère que j'étais assez clair. Karine, tiens, viens mettre. J'ai tendance à parler un petit peu vite. Jean-Luc qui me parle en même temps, il faut que je dirige un peu les filles, tout ça, donc c'est pas facile. Donc, Non, c'est vrai, c'est pas évident. Surtout que tu parles plus fort que tout le monde. Donc, Ben, c'est vrai. Ouais. Eh bien, écoute, bon appétit, Karine. Donc elle a le droit de goûter l'assiette du chef. Hein. Vous n'avez pas mangé? Ah, vous en avez, vous? Ah, ben, parfait. Alors, madame, cette tagada, c'était très bon? Très bien, merci. Ben, merci pour le chef. Hein. Comment? Excellent, bah, dites-lui parce que ça lui fera plaisir. Si je lui dis moi, il va pas le croire. Hein, ouais. Ah, attendez, je crois que j'ai. Ah, je l'avais éteint. Il y a une dame qui a un message pour toi. C'est très bon. Cette assiette que vous nous avez offert, monsieur. Je comprends rien. C'est excellent. Ah, merci beaucoup. Ouais, parce que si c'est moi qui le dis, tu vas pas me croire. Donc, c'est vrai. Merci beaucoup. J'ai bien aimé le goût du piment fumé. Ah, répétez, parce qu'il écoute vraiment. En fin de compte, là, il faut vraiment tout mélanger. Hein. Yann, t'as pris un peu de sauce tout ou pas bon. Oui, oui. Yann, un peu de sauce, mélange tout. L'asperge était très bonne. Oui. Le goût du piment fumé, j'ai beaucoup aimé. Oui. L'asperge croquante, très bien. Oui, c'est volontaire hein, que ça a un peu de mâche. L'asperge fine, là, très très bon aussi. Bon, mais tant mieux. Tant tout mieux. Était très bon. Mais on a des beaux produits, donc forcément, on fait des belles choses. Donc encore bravo, chef. Merci. Non, c'est bon. Oui, non, mais après, sinon, non, je peux pas lui dire ça, il va pas me croire. Ouais. Vous préférez le rosé ou l'asperge? Vous préférez le rosé? Oui, je vous prends en photo toutes les deux. C'est ce qui me semblait. Oui, je vous prends en photo toutes les deux. Tous les deux? Mais bien sûr, bien sûr, non, bien sûr. Le flyer, oui. Mais non, mais. Ma non, femme, je suis en train de sourire, ma femme, elle va être folle. Je ne souris jamais sur les photos. C'est bon, vous l'avez prise? Oui, tenez, je vous donne le micro. Bonsoir, chef. Des recettes, tu sais que tu... Bonsoir, chef. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, pardon. C'est possible. En fin de compte, il y a un énorme contre-jour. On a tous les spots dans la tronche et du coup, on voit rien du tout. C'est possible d'avoir le temps de la cuisson des asperges, s'il vous plaît, chef? Le temps et la cuisson? Bah, alors, déjà, ça va dépendre du calibre de l'asperge. Ah, là, j'y vois bien. Ça dépend, la durée de cuisson, ça dépend. De la fraîcheur de l'asperge, ça va dépendre du calibre de l'asperge. Ça dépend si vous la cuisez à l'eau, si vous la cuisez à la vapeur. Là, sur les pointes, on est à quoi, 6-7 minutes, pas plus quoi. Il y en a dans le frigo là. Même moins. Est-ce qu'il y a un choc thermique après entre le. Ben, si on veut vraiment les garder fermes, le chaud et le froid. On les balance dans l'eau glacée et ça les raffermit et c'est nickel. 2 kilos de champignons, ça sera parce qu'il y en a un petit peu. Merci chef. Je vous en prie. Les champignons qui sont au frigo. Ah bon, prends.
C'était 300 ça, c'est... Oh, c'est gentil. Merci monsieur. Et depuis qu'ils ont eu un verre de rosé plus un truc à becter, on les entend tous. Tout à l'heure, il n'y avait plus personne qui parlait. Là, ça y est, et pam, et j'y vais, et je discutais avec le voisin et tout le tralala. Ah, bravo. Pour répondre, alors, pour les recettes des chefs, en fait, vous les avez imprimées et elles se trouvent sur les tables en sortant, là, même les recettes qu'on a eues ce matin ou... Voilà, vous les avez, vous pouvez les prendre pour les emmener et avoir... oui, on avait une autre recette ce matin, celle de Ibrahima. Par contre, Stéphane Carad, on n'avait pas sa recette parce qu'il est arrivé, il n'avait pas encore imaginé ce qu'il voulait faire. Vous en avez eu, les filles ? On l'a pas. Vous avez celle de ce matin. Vous en avez eu, les filles, demain, ou pas ? Il y aura aussi les autres recettes. Vous en voulez pas ? J'en prie. C'est vrai ? Bravo. Comme quoi, le fait de te transformer en Spider-Man, ça t'a donné des... Ouais. Ah ouais. Toi, t'es passé à la télé ? L'assiette, elle doit être à peu près à ce niveau-là ou ce niveau-là. Oui, vous prenez sur la table, c'est gentil, merci. Ouais. Merci, merci, madame. À bientôt. À l'année prochaine, ouais, bah écoute, qui sait. Ah oui, comme si c'était une corvée. Avec moi, c'est une corvée, ah d'accord. Bon, allez, allez. Bon week-end. On peut remettre la sauce, qu'est-ce qu'il nous manque là ? Non, il manque les asperges. Ah, on a tout mis. C'est bon. Après, c'est bon, Yann. Ah non, c'est bon, c'est bon. Yann, c'est bon. Non, mais je vais en donner aux filles. Oui, voilà. Après. Non, bon, en tout cas, merci Yann de ta participation. Merci Karine d'être venue nous voir sur le plateau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, 11h30, oui, pour la prochaine démo déguste, demain matin à 11h. Karine. N'oubliez pas l'apéritif offert justement par la maison, Tutiac, à 19h. Ouais, c'était pas forcément prévu. Entre 18h30 et 19h sur la grande place derrière, et ainsi que le concert de la soirée. N'oubliez pas que vous avez de quoi vous nourrir sur la place. Comme ça, ça vous permet de passer la soirée avec nous. Voilà. Ou de venir prendre l'apéro avec nous, avec Yann. On sera par là aussi. Ce sera un plaisir de discuter avec vous. En tout cas, merci de votre participation. Et je vous dis à demain matin. Et à tout à l'heure, les filles. Vous ne voulez pas oublier, hein ? C'est bon, j'ai le 06, Yann. Pour le rendez-vous.